si vous voulez créer quelque chose de grand, qui soit vu et qui attire, il faut un flagship. Il faut un grand club qui soit celui qui va démontrer l'expertise et qui va donner envie. C'est ce qu'on a fait là. Bien évidemment, les investissements ont été importants et on ne pourra pas les subir sur du long terme. Maintenant, on pourra les faire accompagner de manière différente à travers le pays. À ce jour, nous devons d'abord voir comment la clientèle va apprécier. Est-ce que cette tarification à moins de 310 dirhams par mois va leur permettre aujourd'hui d'avoir envie de se déplacer, parce que c'est un peu éloigné de Casablanca, un peu éloigné de Mohammedia, mais en même temps que ça reste une magnifique destination avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité le soir de bénéficier de 40 coachs, ce qui n'existe pas dans le monde. Mais c'est cette créativité, cette manière d'être inventif en permanence qui nous a donné l'idée de mettre une école de formation à l'intérieur du club pour que les gens puissent circuler entre les deux. Je le répète et je ne ferai que le répéter. La force, le déploiement, les ouvertures ne se feront que sur la qualité des collaborateurs. Si vous avez des collaborateurs pas formés, motivés d'abord, passionnés, alors ça ira. Mais à nous de leur donner, ou en tout cas leur faire goûter à quelque chose qui pourrait les passionner. On ne naît pas, on ne vient pas au monde avec une passion. On l'acquiert et on l'entretient tout doucement.